Impossible de savoir ce qui se copie là-dedans. N'est-ce pas incroyable ? Sébastien. N'est-ce pas incroyable ? Sébastien. Bombarda, Protego, Confringo. Confringo. Protegioso. Bombarda, Confringo. Désolé,
Bombarda. Action. Confringo. À guérir, Sébastien. Tu dois arrêter. Je refuse qu'elle souffre. Avada Kedavra! Choix. Oh, Anne. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je dois sortir d'ici. Je ne peux pas le laisser partir. Sébastien, attends! Ah, je suis devant toi, là. Oh.
Bombarda. Nous allons exécuter leur gros offensif. Arrête, Sébastien. Attends. Action. Qu'y a-t-il ? Oh, commence pas à me parler comme ça, toi. Je signale qu'on a pris les mêmes sorts tous les deux. T'en as juste un troisième que je ne connais pas encore. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Je t'ai appelé. Anne ne survivra pas. Elle dépérit physiquement et mentalement. Solomon n'a jamais été là pour nous. Pas vraiment. Il a renoncé à sauver Anne. Mais pas moi. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il allait ruiner sa vie. Il nous a attaqués. J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort. Tu le sais, si je n'avais pas su comment le lancer. Il nous a attaqués. Tu n'avais pas d'autre choix. C'était courageux, Sébastien. Tu te soucies visiblement plus d'Anne que ton oncle. Je savais que tu comprendrais. J'ai fait ce qu'il fallait. Oui. Et j'aurais fait la même chose, si je savais comment faire. Je pourrais t'apprendre. D'accord, allons-y alors. Le sortilège de mort n'est pas facile. Comme pour tous les sortilèges impardonnables. Il faut le vouloir. T'inquiète pas, moi. Tiens ta baguette fermement. Concentre-toi. L'incantation est Avada Kedavra. Tes intentions doivent être claires. Enfin, je vais. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver Ominis. Sébastien. Je ne suis pas moi-même en ce moment. Retrouvons-nous plus tard, à la crypte, d'accord? Oh, c'est bon, tellement utilisé sur toi, mon pote. Je ne peux pas. Oh, il y a des ennemis pas loin. Je fais ça et je pars. Zéro. Avada Kedavra. Go!
zéro. Réveillio. C'est donc ça. Une bonne petite partie. Hein. Une bonne petite partie, une bonne mission. Par rapport à la dernière fois, ça va être les deux potes mages noirs là. On va aller à la salle sur demande. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu avais eu une idée. Oui. Chick sait que vous vous intéressez à toutes sortes de créatures. Et Chick a récemment entendu des rumeurs au sujet d'un nid de phénix sur une montagne non loin d'ici. Un nid de phénix? Je me demande s'il appartient au phénix dont Natty parlait. Celui que recherchent Arlo et la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute pour Chick. Si Chick en a entendu parler, ces maudits braconniers aussi. Ce qui signifie qu'ils pourraient être en danger. Alors je me dois d'aller le sauver, pas vrai? Chick pense que oui. Une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Chick ignore pourquoi.